Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'album Jumi Baby Boy. Donc avant toute chose, je vais vous dire ce qu'il me reste. Donc pour le papier de base, j'avais pris le papier caramel, donc sur la boutique Brico et Scrap, je vous mettrai le lien de toute façon en barre d'infos. Donc j'ai pris 50 feuilles, il m'en reste 6 avec ça et ça en chute. Voilà, donc ça. Ensuite, en de la collection, donc, oula, je fais tout tomber. De la collection Jumi Baby Boy, donc j'avais pris deux blocs 30-30 et un bloc 20x20. Donc du bloc 30-30, il me reste une comme ça. Il me reste quelques chutes, mais j'ai pas de feuilles entières. Et du bloc 20-20, il me reste une seule feuille. Et après, j'avais pris les die cuts aussi. Donc là, vous voyez, j'ai encore des chutes ici. Et en die cuts, j'ai pas tout utilisé, sachant que j'ai découpé les die cuts de la feuille 30-30 et ceux du 20-20. Et au niveau des badges, j'en avais 8. Il m'en reste plus que 2. Voilà à peu près ce que j'ai utilisé. Et bien, écoutez, c'est parti pour la présentation de l'album. Donc pour commencer, donc vous voyez, il est très fluide. La tâche ne tient pas forcément, mais c'est normal parce que quand vous allez avoir les photos, ça va être plus conséquent. Donc elle va bien fermer. Là c'est normal parce qu'il est vide. Donc sur le devant, on a donc un papier, hop là, comme ça. Donc le papier avec le petit cheval à bascule, les coins et le cadre viennent de la boutique Le Petit Monde de Chachou. Donc en ce moment elle est en heureux événement. Donc sa boutique, je sais, elle doit être ouverte, mais elle est faite par 5. 5 commandes par 5 commandes. Donc si vous ne pouvez pas commander tout de suite, c'est normal, ne vous inquiétez pas, ça va arriver après. Ensuite, sur le dos, donc c'est très simple. Voilà, j'ai juste mis un papier avec mon petit nœud et mes rubans pour mon attache. Donc là, le petit nœud, c'est pour cacher mes rubans en dessous. Et sur ma tranche, donc j'ai fait une petite étiquette avec des petits breloques. Donc je vais vous en parler de toute façon dans le tuto, mais bon là je vais vous en parler maintenant parce que ça y est, c'est officiel, ma boutique est ouverte. Donc vous pourrez retrouver cet album là en vente sur ma boutique, le Jumi Baby Girl également, et aussi l'album bébé 12 mois et Nail que j'ai fait. Voilà, et donc les petits... Il y a des fils de colle. Et donc les petits breloques comme ça, donc les petits bijoux d'album, vous pouvez les retrouver également sur ma boutique. Voilà, et donc j'ai mis un petit badge. Hop. Et donc la fermeture, elle se fait comme ceci avec une petite attache qu'on vient comme ceci. Allez, c'est parti. Donc là, le bijou d'album, vous pouvez très bien l'enlever. Hein. Et donc contrairement au baby girl, celui-ci s'ouvre intégralement. Donc là, nous avons une filière d'enveloppe. Voilà. Ensuite, le premier mois. Donc c'est un album 12 mois. Le premier mois, vous avez... Hop, je vais avancer comme ça. Un espace photo ici. En bas. Là, vous avez le petit cadre, donc toujours du petit monde de Chachou, où on peut y glisser. Alors hop, je vais essayer de vous prendre une petite chute. Où on peut y glisser une photo. Hop, qui va jusqu'en bas. Voilà. Et sur le devant, c'est pareil. Là, j'ai laissé ouvert de façon à ce qu'on puisse glisser une photo. Ensuite, là, vous avez une pochette avec un petit carnet. Donc, on peut rajouter facilement d'autres photos derrière. Hein, il n'y a aucun souci. Ensuite, comme ceci. Et comme ceci. Ah, j'ai pris aussi des papiers, le papier bleu comme ça et du papier gris. Il ne doit pas m'en rester beaucoup. Je crois que j'en ai plus. Je dois avoir que des chutes. Ensuite, donc nous avons la filière. Là, pardon, pas la filière. Là, les cartes suspendues. Voilà.
donc qui sont suspendus par des petites bandes. Donc la première carte est tenue par la bande et la deuxième est retenue par le petit train en bas. Voilà. Ensuite, nous avons, moi je l'appelle la croix, simplement parce que ça fait la forme d'une croix quand ça se déplie. Voilà. Ensuite, nous avons notre bande transverse avec notre grand carnet. Donc là, vous pouvez rajouter une photo, il n'y a aucun souci. Moi, j'ai mis deux espaces photo à l'intérieur, mais il n'y a aucun souci, on peut rajouter. Et donc, il est tenu pour ne pas glisser par deux petits die cuts. Ensuite, donc là, c'est les rabats opposés. Donc, un espace photo. Et donc là, je m'en excuse d'avance, celui-ci, je l'ai collé à l'envers. Voilà, donc si vous voulez que je le corrige, si jamais vous voulez l'acheter et que vous voulez le corriger, il n'y a aucun souci, hein, je peux vous corriger ceci. Avec deux espaces photos et encore deux espaces photos. Ensuite, nous avons un simple rabat comme ceci. Ensuite, nous avons deux portes avec deux espaces photos. Un troisième au milieu et notre carnet qui est aimanté avec trois espaces photos. Voilà. Là, nous avons les rabats opposés. Et hop, avec là on peut mettre une, alors j'ai pas mis d'espace photo mais vous pouvez très bien mettre une photo, il n'y a aucun souci. Voilà. Ensuite ici, donc vous avez, ce sont juste des pochettes donc avec des grands tags, avec ici un petit espace photo et ici également. Donc les lapins, je les ai pas collés jusqu'au bout, hein, vous voyez. Et du coup, là, j'ai mis les petits, des petits tags, mais après, la personne pourra mettre ce qu'elle voudra. Je les ai mis là, mais après, voilà. Ensuite, ici, donc là, nous avons l'espace photo. Ici, pareil. Là, vous avez une pochette où vous pouvez glisser des photos. Là, il y a un petit couac dans mon tuto, mais de toute façon, je vous explique tout dans le tuto, donc il n'y a aucun souci, vous inquiétez pas. Un petit espace photo ici avec un grand à côté, toujours une petite pochette. On retrouve nos deux espaces photo et ici on retrouve une pochette avec un autre espace photo. Voilà. Et là nous avons une cascade. Et là, ce sera donc avec des petits tags pour mettre des photos. Et vous pouvez rajouter facilement beaucoup de photos, hein, parce qu'il y a 1 cm d'épaisseur. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que la présentation vous a plu. Si ça vous a plu, bien écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce. Et puis ben, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour le tuto. Donc je vais juste faire une petite précision sur le tuto. Je vous parle donc des pages partie 1A, partie 1B. Du coup, pour les titres de mes vidéos, je vais mettre page 1, page 2, page 3. Donc je vous explique. Là, ce sera la 1A, 1B. Mais en fait, ce sera page 1, page 2, page 3, page 4, page 5, ainsi de suite. Donc vous inquiétez pas, dans le tuto, je parle en 1A, en 1B. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai jamais fait ça. Donc autant vous dire que je sais pas ce qui m'est passé par la tête à ce moment-là. Mais c'est pas grave. L'important, c'est que vous compreniez. Hein, y a aucun souci. Si vous comprenez pas, ben, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à me contacter. Y a aucun souci, je vous répondrai avec grand plaisir. Et je vous mets le lien de ma boutique en barre de description. À bientôt !